aujourd'hui, c'est un grand moment, hein, puisque on est arrivé ce matin vers 8h30-9h pour mettre à l'eau le bateau. L'histoire, elle est super belle, quoi. Ça correspond parfaitement au bonhomme aussi. Quoi. Mais voilà, quand j'ai su que c'est Louis qui avait récupéré le bateau, ben forcément, on s'est pris en contact. Je regardais si je pouvais l'aider à un moment, parce que du coup, on avait peut-être des carnets d'adresses qu'on pouvait partager et qu'il puisse aller sereinement sur son projet Vendée Globe. Parce que puis c'est beau, quoi, d'accompagner quelqu'un sur un Vendée Globe. Enfin, c'est pas anodin. Le fait d'avoir réussi à être prêt dans les délais à mettre à l'eau le jour prévu, c'est toujours un bon challenge. On sait que les chantiers, c'est jamais en avance. Et on a réussi déjà ce premier pari, c'était de mettre à l'eau dans nos délais. Donc là, c'est un soulagement de le voir à l'eau. On ne pourrait pas mieux décrire qu'en fait que l'histoire de son projet, quoi. Il y a du courage et de l'audace. On va réussir notre pari d'être au départ de cette plateforme Jacques Vabre. On voit le bateau et on se dit voilà, c'est bon, on peut y aller. Ça y est, c'est bon.